Bonjour Christina. Bonjour. Alors, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et j'aimerais bien que tu nous parles des passes magiques. Les passes magiques, donc déjà c'est un mot qui est peut-être évocateur. Mm-hmm. Maintenant, en fait, on les appelle les passes d'énergie. Il y a des gens qui n'aimaient pas ce terme. Ce mot magique. Voilà. Ouais. Par contre, moi, c'est ce que j'ai aimé la première fois que j'ai entendu ce terme d'un ami qui en avait parlé. Et je lui ai dit, mais les passes magiques, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, ce sont les passes magiques qui ont été créées par Carlos Castaneda. Et Carlos Castaneda, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un auteur américain que j'ai dévoré quand j'avais 18 ans. Donc, il y a déjà quelques années de ça. Et qui est un anthropologue américain qui est parti dans le désert du Nouveau-Mexique pour faire des recherches sur les plantes hallucinogènes. Et il a rencontré un chaman, un sorcier indien, qui l'a initié en fait au cours de nombreuses années. Il est devenu son apprenti, il a écrit des tas de bouquins très très intéressants sur son initiation en tant qu'apprenti sorcier, apprenti chaman. Ouais. Et après, je ne l'ai plus du tout relu. En 2017, cet ami m'a reparlé des passes magiques. Et comme je fais moi-même beaucoup de recherches sur différents modes de développement personnel, donc je suis coach de vie, j'ai souvent pensé qu'en fait le corps était négligé. En fait, on fait beaucoup de choses au niveau émotionnel, psychique, mental. Oui, c'est ça, mental. Mais la dynamique du corps, la structure du corps, les potentiels du corps est complètement négligée. Et dans les passes magiques, j'ai appris qu'en fait, notre corps est un organe de perception. Donc, nous percevons les choses à travers nos cinq sens et tous les autres sens que nous avons qui ne sont pas encore développés. Et nous les interprétons ensuite sous forme d'image et sous forme mentale. Mais la première perception que nous avons, elle se fait à travers de notre sensorialité. Selon les enseignements donc des passes magiques, la commodité la plus importante dans le monde, c'est l'énergie. C'est notre énergie. Qu'est-ce que tu appelles la commodité ? La commodité, pardon, peut-être c'est un terme anglais, oui. C'est-à-dire la chose qui a le plus de valeur. La chose qui est le plus, le commodity en anglais, c'est une sorte de marchandise, quelque chose qui a le plus de valeur dans notre vie, c'est notre énergie. C'est notre richesse en fait. C'est notre richesse. D'accord. Voilà. Et notre énergie, elle n'est souvent pas disponible parce qu'elle est dispersée par nos pensées, notre mental. Donc le capital d'énergie que nous avons au début de la journée, il est rapidement dispersé parce que nous sommes souvent dans le passé, nous sommes souvent dans le futur, nous ne sommes pas dans le moment présent. Ouais, d'accord. Et c'est comme ça que nous dispersons notre énergie. Et cette énergie, elle se disperse dans notre forme énergétique et elle peut être reprise, récupérée ouais. Exactement, et amenée dans nos organes vitaux. Les organes vitaux étant le cœur, les poumons, la rate, le pancréas, le foie, etc. Et les reins. Donc on stocke l'énergie dans les reins et ensuite on l'utilise à travers nos organes le long de la journée. Donc ces mouvements des passes d'énergie sont des mouvements extrêmement simples. Mmh. C'est une série de mouvements qu'on peut faire de différentes façons, comme une gamme de musique, qui en fait te permettent de redistribuer ton énergie et de la retrouver et de la faire circuler dans ton corps. D'accord. Donc c'est quelque chose qui peut te revitaliser, soutenir un oui. état de santé, de mieux-être. Absolument. Ouais. Absolument. Et non seulement ça, mais pour moi par exemple, j'ai de la peine, disons, à faire de la méditation parce qu'il faut rester assis tranquille. Enfin, voilà, dans sans bouger. Méditation. Voilà, j'ai de la peine parce que je suis quelqu'un d'assez actif. Ouais. Et grâce à ces mouvements de passe d'énergie, il y a très rapidement le silence intérieur qui s'installe. C'est-à-dire très rapidement, on accède à un autre état de conscience où les pensées, elles sont beaucoup plus calmées et notre perception s'agrandit. C'est-à-dire qu'on a la capacité de voir aussi les événements de notre vie d'une façon différente. Okay. Et une grande partie de cette technique des passes d'énergie, c'est ce qu'on appelle la récapitulation. Donc la récapitulation, c'est aussi passer en revue certains éléments de notre vie et les transformer, les revivre d'une autre façon. Quand on est dans, après avoir fait des passes d'énergie, on est dans un état suffisamment tranquille et suffisamment détaché pour pouvoir vraiment revivre certaines choses de notre vie et les transformer. Alors il y a une certaine technique de respiration pour pouvoir le faire, mais c'est super efficace. J'imagine qu'il y a aussi, selon les situations, des mouvements
mouvement différent. Oui. Selon ce qu'on veut faire. Absolument. Et quand tu parlais de transformer l'événement, en fait, c'est, tu vas me dire si c'est juste, hein, mais c'est comme on le revisite avec un état de conscience complètement différent, on lui permet d'aboutir, enfin de se finaliser et finalement de ne plus avoir de charge mentale ou émotionnelle. Exactement. Exactement, ça. Tout à fait, parce que en fait, l'événement passé, en réalité, il n'existe plus. Il n'existe que dans la charge, dans la charge qui est aussi dans le corps. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, en faisant certains mouvements, on permet déjà de bousculer cette charge, mm-hmm. de la défaire, de défaire cette certitude que ça s'est passé comme ça et l'impact que ça a eu. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est-à-dire ce travail, tu parlais avant de selon les mouvements, il y a l'intention. Le travail de l'intention est extrêmement important. Donc on apprend à avoir une intention, donc pourquoi aussi est-ce qu'on a cette énergie? Parce qu'on peut aussi avoir beaucoup d'énergie pour devenir l'imbécile qu'on était avant. Je veux dire, on est un imbécile qui a beaucoup plus d'énergie. Oui. Mais le but, c'est justement dans quelle intention on fait ces passes d'énergie. Donc, il y a tout un enseignement derrière, hein, parce que Carlos Castaneda, il vient de la tradition Maya-Toltec. Donc, il y a toute cette lignée Maya-Toltec qui est derrière, donc les enseignements de base, comme tous les enseignements du développement personnel, c'est de perdre aussi peu à peu l'importance de soi, de trouver quels sont ses alliés aussi dans la vie, comment combattre ses adversaires qui sont des adversaires intérieurs. Et ce qui est intéressant dans les passes d'énergie aussi, c'est qu'ils utilisent beaucoup soit des animaux, soit des personnages, mm-hmm. soit des formes de la nature comme des arts, comme archétypes. Et ils rentrent dans cette forme-là pour pouvoir utiliser les qualités de cet archétype. Donc il y a des mouvements, il y a le mouvement de l'arbre, il y a le mouvement du tigre, il y a le mouvement du serpent, il y a plein de mouvements, de la pierre par exemple aussi, qui te permettent d'intégrer donc, ces qualités archétypales pour pouvoir toi-même avoir une autre perspective sur ta vie de tous les jours. C'est-à-dire tu peux te réapproprier ou réveiller en toi des qualités ignorées à travers ce contact avec un arbre, un animal, un peu comme avec les animaux totems. Absolument. Ouais. Où on s'approprie, pas pour prélever ça chez l'animal, mais pour se dire, mais finalement, cette qualité, je l'ai en moi et je peux la mettre en pratique. Exactement, okay. C'est tout à fait ça. Et à travers un certain mouvement, oui. Tu peux, avec l'intention, te reconnecter à une force, à une solidité, à une puissance. C'est tout à fait ça. Avec laquelle tu n'étais pas en contact. Tu n'étais pas en contact, exactement, ouais. qui ne t'était plus disponible. Ouais. C'est ça. D'accord. Donc c'est cette disponibilité, et comme tu as dit ici justement, toutes ces qualités-là du monde qui nous entoure, nous les avons déjà en nous, simplement par choix, ou par ignorance, ou par éducation, hein, parce qu'il parle beaucoup de l'éducation qui nous a domestiqués, domestiqués dans une certaine direction. Mmh. Et en fait, le but de ces mouvements aussi, c'est de redéployer notre énergie, de redéployer notre être, notre intégrité en tant qu'être humain, notre intégrité totale en tant qu'être humain avec un corps d'énergie, parce que tous ces mouvements, on le fait avec le corps physique, mais c'est en fait pour réveiller aussi l'aspect énergétique de notre corps. Donc on travaille ensemble. Peu à peu, les deux sont reliés. Parce qu'on est incarné, donc on doit bien travailler dans le physique. C'est ça. Celui qui sert à la manifestation. C'est ça. Et en même temps, il y a une autre dimension qui anime ce corps physique. C'est ça. Voilà. C'est donc ça. Les deux sont sollicités à travers ces exercices de passe magique. C'est ça. Enfin, de passe, comment tu as dit ? Passe d'énergie. Alors, moi, j'aime bien passe magique, mais c'est passe d'énergie. Si vous regardez sur Internet, vous verrez passe d'énergie, passe magique. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire au niveau de ce que ça peut apporter aux personnes qui viennent soit te voir, soit suivre un atelier avec toi. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur proposer en fait à travers cette pratique? C'est ça. Alors moi, je suis coach de vie, donc mes clients, ils viennent me voir en tant que coach hein, pour faire un coaching sur certains aspects de leur vie. Et souvent, je commence la session par 2-3 minutes de petits mouvements ou de respiration, de mise en place, pour permettre à la personne déjà d'atterrir, de revenir en elle. Ouais. Et après, la séance est beaucoup plus facile, parce qu'on va directement à l'essentiel. Ouais. Et j'enseigne aussi à mes clients quelques mouvements. Si tu veux, je peux t'en montrer un. Maintenant, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais un mouvement, c'est par exemple faire comme ça. On descend comme ça, on fait un geste. Ouais. Clac, 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 simplement ça. Clac, 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 clac.
ce qui fait en fait revenir notre corps d'énergie vers nous. On l'appelle. Ouais. Clac, 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 clac. Oui, puis on y met l'intention. Et on y met l'intention. Voilà. Et on y met l'intention. Donc rien que ça, si vous le faites, et si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps immédiatement. Donc c'est cette simplicité aussi qui me plaît. Ouais. Parce que j'ai fait du tai chi, j'ai fait du qigong, j'ai fait du yoga encore. Ouais. Et souvent, il y a tout cet élément quand même complexe qui est là derrière. Et c'est un peu compliqué de l'amener comme ça dans une séance. Par contre, les mouvements des passes d'énergie, c'est très simple. Ouais. Parce qu'on peut les prendre vite. On n'a pas besoin d'expliquer forcément d'où ils viennent. On fait juste des mouvements. Et ça, tout de suite, ça... C'est dans l'expérimentation qu'on va en faire. On va se rendre compte. Ah oui, là, j'ai senti une différence. Exactement. Et donc, et ce que j'aime bien dans ce que tu expliques, dans cette simplicité, c'est que l'outil, on peut l'emmener partout. Exactement. Et on peut le faire là, maintenant, dans cette pièce, dans le jardin. Exactement. C'est rapide. Exactement. Pas besoin de choses très complexes, de rituels. Exactement. Moi, je peux te donner un exemple qui m'est arrivé donc, il y a quelques mois, quand je suis allée au Japon. Donc, le voyage est long, tu peux t'imaginer. On est arrivé là-bas et le lendemain matin, on était dans un bus, encore des trajets en bus. Et puis, la personne qui était assise à côté de moi, un ami, il a commencé à avoir mal à la tête. Il a eu mal de tête terrible. Et à la première pause du bus, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on peut faire quelques petits mouvements. Comme ça. 5 minutes. Mmh. On a fait quelques mouvements. Son mal de tête a disparu. Wow. Disparu. Ouais. Donc, c'était simplement ça. C'était redistribuer son énergie qui avait été disloquée, je pense, pendant ce fatigue, vol, par la fatigue. Position, c'est ça, le vol. Et en 5 minutes, ça fait le tour. Donc, ça aussi, ça c'est possible. Ça permet de faire complètement recirculer l'énergie. C'est aussi lié à la vitalité, j'imagine. Oui, oui. Ça aide aussi. Le calme. Exactement. La paix intérieure. C'est ça. Beaucoup plus centré. Bah, une fois que l'énergie, elle circule comme elle devrait circuler, le corps, il sait ce qu'il doit faire. Il y a une forme d'ergonomie, en fait. Il sait ce qu'il doit faire. Tout reprend sa place. Tout reprend sa place. Le mental, il reprend la deuxième place et pas la première. Il arrête de boss. Il y a beaucoup de bienfaits. Donc, depuis que j'ai connu ça en 2017, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à expérimenter, à voir, à tâtonner. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté, c'est difficile à dire, mais je pense que ça a transformé ma vie en quelque part. Vraiment. Parce que j'ai déjà une démarche spirituelle, j'ai déjà une démarche, je suis déjà coach, donc je fais déjà beaucoup de choses. Mm-hmm. C'est comme si ça avait rassemblé tout ça d'une manière très concrète dans mon corps. Et maintenant, mon corps participe à tout ça. C'est ça la différence. Mm-hmm. C'est que si on permet à notre corps de participer à nos expériences de vie, c'est extraordinaire parce que le corps, c'est un instrument que nous avons sur Terre qui est souvent négligé, mais qui a des possibilités incroyables pour nous faire évoluer. Incroyable. C'est cette base-là. On doit passer par lui. On doit passer par lui. Et le mieux on le traite et le plus on lui permet de s'exprimer, de percevoir des choses, on le prend comme allié, en fait, dans notre vie. C'est cadeau à la fin. C'est comme ajuster son instrument, exactement. Voilà. Écoute, Christina, c'était une belle explication des passes d'énergie. Merci. Est-ce que tu aurais juste un mot à dire avant qu'on close ce moment d'échange ? Écoute, volontiers, je peux partager une phrase que j'aime beaucoup de Carlos Castaneda, qui nous dit « Vous avez tout ce qu'il faut pour entreprendre ce voyage extravagant de votre vie. Et si vous suivez un chemin, demandez-vous si ce chemin a du cœur. Et s'il a du cœur, suivez-le avec joie et gratitude. » Superbe. Voilà. Merci beaucoup, Christina. Merci. Merci, Anne-Virginie.